la question de la trace de l'écriture, des mots, bien, c'est la raison de ce spectacle. C'est le pourquoi de Tourbillon d'émotions. Les enfants qui nous ont confié leurs mots ont laissé une trace. Et même si certains ne sont plus là aujourd'hui, ce n'est plus une rupture. Un lien s'est créé entre la vie et la mort. Ce ne sont plus deux choses séparées. Ce n'est pas une vue de l'esprit, cette sensation d'unité. La parole de ces enfants continue à vivre. Ce sont leurs mots que l'on porte auprès d'autres enfants et auprès de vous aujourd'hui. Non, non, pas les arbres! Pas les arbres, déjà qu'on vit une catastrophe écologique, on va pas s'en remettre. Non mais attends, moi, je peux non plus mais respirer. Ne pleure pas. Non, non mais c'est attends, pas bien de... pourquoi elle ah, j'aurais pas dû hein. Mais moi je suis asthmatique. Non mais attends, Tristesse, ou... attends, respirer, parce que peut-être pas... attends, peut-être que à un moment donné elle pourra récupérer des amis et devenir joie. Ouais, mais tu peux toujours rêver. Si ça pourrait enfin bah, t'en as pas marre de chialer comme ça tout le temps pour rien? Non. Mais regarde, elle fait marche arrière. Attends, c'est justement. Juste allez, allez, viens. Non, non, non. J'ai bien compris que j'étais de trop. Mais non. Mais allez, non. Viens. Non. Je vais me jeter. Non. Fred, je vais me jeter. Allez, viens, je te dis. Vous présentez des extraits de ce spectacle hors de l'hôpital. Et c'est particulier. Si on ne vous parle pas de l'auteur, vous n'avez aucun moyen de savoir que ces dialogues ont été écrits par une enfant de 3 ans. Ce sont les témoignages des enfants qui rythment notre spectacle Tourbillon d'émotions. Mais quand la peur s'installe, on tremble, on a la gorge nouée. On aimerait appeler à l'aide, on a envie de crier. Au moindre bruit, on sursaute. On sent venir des larmes parfois. Mais quand la peur s'installe, on tremble, on a la gorge nouée. On aimerait appeler à l'aide, on a envie de crier. Au moindre bruit, on sursaute.